Salut tout le monde, c'est Steven. On se retrouve avec Half-Life 2, là on s'est laissé. On a retrouvé Alix à Nova Prospect et on s'apprête à faire un petit bout de chemin avec elle. J'avance à l'aveuglette ici. Parfois un Vortigant est capturé et envoie des infos, mais on ne sait pas vraiment à quoi ressemble l'endroit. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Préparez-vous. Allez, viens. Ok, par ici. J'accéderai à leur système de sécurité. Maintenant, trouvez mon père. Oui, ça va pas être facile. Oh mon Dieu, ces pauvres gens. Là. Ah, c'est lui. Ok, je pense pouvoir le ramener. Là, il est en chemin. Rejoignons-le. Ok. Ah, voilà. Suivez-moi. J'entendais. Combine. Même pas le temps de parer. Derrière toi. C'était violent. Allez. Dis pas que t'aimes pas ça. Il devrait être ici. Je vais ouvrir ça. Il est là. Ok. Choisis d'ouvrir ça. Oui, c'est bien lui. Ellie Vance. Alix, Gordon. C'est vraiment vous. Vous oui. L'avez retrouvé. Papa, ça va? Moi ça va, mais vous, vous devez sortir d'ici. On va te sortir de là, papa. Ne vous en faites pas pour moi, sauvez-vous. Non, on ne te laisse pas. Je peux peut-être recalibrer le portail du cartel pour sortir d'ici. Mais tu iras où? J'ai parlé au docteur Kleiner. Son portail refonctionnait presque. S'il a réussi à le réparer, on arrivera là-bas. Si ce n'est pas le cas, ça peut pas être pire. Ça n'en vaut pas la peine, Alix. Je ne veux pas te perdre. Sauve-toi tant que tu peux. On ne part pas sans toi. Un point, c'est tout. On ne peut pas laisser Judith non plus. T'inquiète pas, papa. On la retrouvera. Pour le moment, je voudrais que tu ailles au téléporteur. Ce n'est pas un adieu, papa. On se retrouve là-bas. Je n'en doute pas. On se voit là-bas, ma chérie. Ok, au téléporteur. Elle a l'air toute triste. Ça va mal voir son père comme ça. Sortons d'ici. Oh oh, la pluie derrière moi, si vous entendez. Désolé. Ok, par ici. Je retourne à la base de sécurité et je me connecte à la radio de votre combi. Attendez que je vous contacte. Et prenez soin de vous. Ok. Non, pas ça. Faire le ménage. Casse-toi la boîte. Voilà.
un petit peu violent comme coucou. Tu m'ouvres la porte? Oh, ce soir je m'éternuais. Désolé pour vos oreilles. Tenez bon, je vais trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Oui, bah dépêche. Ok, ça y est. Oh, il y a des choses. Ok. Intéressant. Rien d'intéressant. Je vais ouvrir ça vite fait. Ça marche pas. Ok, j'ai une autre idée. Retournez dans ce bureau. D'après les plans, il doit y avoir un conduit derrière ces étagères. Eh oui. Bien vu, Alix. Voilà comment on fait les choses. Oh, what the fuck. Et... voilà. Il en a plus. Des munitions. Merci Alix. Jetez un œil à l'écran. Ah d'accord, ils arrivent. They're coming to me. Oh fuck. Ah non, c'est bon, ça avait marché. Easy, easy. Oh, des toiles. On va voir celle-ci. Ah, celle-ci est toujours debout. Oups. L'alimentation est là-dedans. On nous donne plein de grenades et je pense que c'est assez clair ce qu'on doit faire. Voilà. Voilà. Toi, tu t'en vas. On est juste passé de l'autre côté de ce mur en fait. On aurait pu le faire exploser, mais non, il a fallu faire tout le tour. C'est génial. Hop.
Grenade. Seconde. Oui, il y en a. Je peux les reprogrammer pour qu'elles attaquent l'ennemi. Orientez-les pour défendre la salle de contrôle. Bon, bah, il y a deux entrées, deux tourelles. Ça me paraît assez évident. Oui, mademoiselle. Ou madame, peut-être. Ils sont défoncés par leur propre tourelle. Plus personne ? Que les tourelles font le boulot, moi je vais pas m'occuper de ça. C'était ça le grand nombre de soldats? C'est pas beaucoup. Oh, bonjour. Bonjour. Tout. Ah non, voilà des robots lames. Ah, j'ai pas réussi. Normalement, on peut tuer les combines avec des robots lames si on vise suffisamment bien. Regardez. Mince, raté. Oups, c'était pas volontaire. Salut! Ça m'a pris tellement de temps. Ouais. Je vois que ça a l'air d'aller. Reste là, je vais chercher des munitions. J'entends pas ce que tu dis. La voilà. Une minute. Comment elle a. Rapport de 3 hommes. Je n'appelle pas pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous aviez promis de ne pas toucher à Ellie. Oh mon Dieu. Les soldats ont fait un excès de zèle, c'est vrai. Mais il était vraiment trop important pour qu'on libère. Surtout en l'absence de Gordon Freeman. Vous auriez eu Freeman si vous aviez eu la patience d'attendre mon signal. Nous n'étions pas sûrs que vous arriveriez jusqu'ici. La loyauté des humains est en ce qu'elle est. Docteur, comme je vous l'ai déjà dit, il faut qu'Elie réalise lui-même que vous ne pouvez pas... J'ai connu le docteur Vance bien avant vous. Sentiments pour lui, vous avez... Mes sentiments? Ça n'a rien à voir avec mes sentiments. Il est simplement évident que lorsqu'Ellie... Ce n'est pas la peine de discuter, Dr. Mossman. Ça a l'air compliqué, tout ça. Désolé, Judith, je n'ai plus le temps. Mais comment elle a pu faire ça? Allez, Gordon, il faut vraiment y aller. Continuez, je sabote le prochain niveau de sécurité et je vous rejoins après.
Ouais, ok. Bah nous, on va se laisser là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et à plus.